بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. قناة الحمر كونسوليداسيون التي دائما تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم والتقوية في مادتي اللغة الفرنسية ومادة الرياضيات بالسلكين الابتدائي والإعدادي. قناة الحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم دائما المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات، لايكات، الكومنتار وبارتاج ديال الفيديو لكي بارتاج ديال الفيديوهات لكي تعم الفائدة. وشكرا شكرا مسبقا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très 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 bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une langue destinée aux écoliers et aux écolières de la sixième année enseignement primaire. Il s'agit des exercices écrits, des exercices d'application pour contrôler les acquisitions acquises avant et pour les consolider. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours sixième année enseignement primaire, exercice écrit. Premièrement, l'orthographe. Je relis par flèche. Asselo Bechal. Nous avons un essuie, une gratte, un grand, un fer à. Forestier, glace, ciel, repassé. Alors, un essuie-glace. Un essuie-glace qu'on trouve dans les voitures. Une gratte-ciel. Natihat Sahab. Un grand forestier. Grand forestier, celui qui garde la forêt. Un fer à repasser. Le fer à repasser, le mslouh. Hadida dial hwij. Je cherche l'adverbe. Alors, pour chercher l'adverbe à partir d'un adjectif, premièrement, je cherche le féminin, puis on ajoute « mon ». Nous avons « léger ». Le féminin « légère ». L'adverbe « légèrement ». Et nous avons « rapide ». Le féminin ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il se termine par « e ». L'adverbe « rapidement ». Attentif. Le féminin « attentive ». L'adverbe « attentivement ». Délicieux. Délicieuse. Délicieusement. Conjugaison. J'écris un imparfait. Un paysan possédé. Nous avons un verbe de premier groupe. J'efface ER. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIONT. Au singulier ou au pluriel. Donc nous avons un paysan. Je peux le remplacer par il. Donc je vais mettre la troisième personne. AIT. Un paysan possédé. AIT. Un chien. Papa et maman. Nous avons deux personnes. Papa et maman. Donc, si le pluriel, je le remplace par il avec s. Le verbe discuter, j'efface le r et j'ajoute la terminaison aient. Papa et maman discuter, aient, du voyage. Les enfants, le verbe avoir. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous avez, il avait. Voilà le pluriel. Il avait l'homme. Il avait bien répondu. Alors ici, nous avons le verbe avoir à l'imparfait. À le verbe avoir plus le participe passé, ça donne le plus que parfait. Tu, le verbe ramasser, j'efface ER, j'ajoute AIS. Tu ramassais les cahiers très vite. Deuxièmement, je mets au pluriel. Je mets au pluriel. Je voyageais seul. Je. Le pluriel de je, c'est nous. Voyager, voyagions. Ici, on ajoutait E pour prononcer G. Et ici, on va mettre « i », la terminaison « i » pour prononcer « jion ». Donc, nous voyagions seul. Nous voyagions seul. Alors ici, seul, hein, un seul personne, ça veut dire « il ne s'accorde pas, je voyageais seul, une seule personne ». Mais ici, nous voyageons seul, ça veut dire « c'est le pluriel ». Donc, il s'accorde. Bien. Alors, tu es attrapé. Tu
attraper des poissons. Le pluriel de tu, c'est vous. Attraper, le pluriel, attrapier, I-E-Z. Les poissons viennent des poissons. Troisièmement, conjuguer le verbe au temps qui convient. Qui convient. Nous avons ici, aujourd'hui, le verbe faire, j'ai la première personne. Alors, aujourd'hui, c'est un marqueur temporel qui exprime le présent. Donc, je vais mettre le verbe au présent. Voilà. Je, le verbe faire, je fais. C'est l'indicateur qui indique le présent. Nous avons hier, c'est un marqueur temporel qui exprime le passé. Donc, le verbe doit être au passé. Donc, j'écris, nous avons fait, le passé composé. Nous avons fait la poésie. Je fais de la conjugaison. Demain, c'est un marqueur temporel qui exprime le futur. Donc, le verbe doit être au futur. Donc, je vais mettre le futur. Demain, nous ferons du sport. Nous ferons demain du sport. Grammaire. C'est troisièmement. Grammaire, mais à la forme négative. Les enfants vont à l'école à pied. Les enfants vont à l'école à pied. Les enfants ne vont pas à l'école à pied. On ajoute ne pas les mots de la négation. Ils pleurent toujours. Attention, maintenant, ils pleurent toujours. Donc, le contraire, ils ne pleurent jamais. Ils ne pleurent jamais. Ils boivent quelque chose. Ils ne boivent rien. Le contraire de quelque chose, rien. Ils mangent encore. Ils ne mangent plus. C'est le contraire de encore. Deuxièmement, j'indique voix active ou bien voix passive. La phrase active ou bien la phrase passive. Le jardinier cultive la terre. C'est le jardinier qui fait l'action. Donc, c'est le sujet. Cultive le verbe. La terre, c'est un complément. Donc, c'est la voix active. C'est la voix active. Maintenant, le complément devient sujet et le sujet devient complément d'agent. Alors, la terre qui était complément devient sujet est cultivée par le jardinier. C'est la voix passée. Alors, nous avons ici le présent. Je mets le verbe être présent. Et cultive, c'est un verbe de premier groupe, devient participe passé. Et cultiver. Elle s'accorde. Pourquoi? Parce que la terre. En plus, le participe passé employé avec l'auxiliaire être, ça compte un peu plus. Donc, la terre, E, accent E, par le jardinier. C'est ça ce qu'on appelle la voix passive. Lexique. Quatrièmement. Je relis le synonyme de chaque mot. Content, ravi. La même explication. Ils sont contents, ils sont ravis. Mais contents, ils sont tristes. Ce sont deux synonymes. Je cherche le contraire. Le contraire de content, c'est triste. Le contraire de petit, c'est grand. Le contraire de léger, c'est lourd. Donc voilà, le contraire et les synonymes. Bon, voilà l'expression écrite, je mets les mots en ordre pour trouver un paragraphe. Alors, les mots, je ne les ai pas écrits, donc voilà la réponse. C'est dimanche, je me lève à 8h, 30 minutes. Je fais ma toilette, bien, mettons, je fais ma toilette. Je fais ma toilette, je prends mon petit déjeuner. À midi, je prends mon déjeuner et après-midi, je fais mes devoirs. Donc voilà des phrases que j'ai mis en ordre pour trouver ce paragraphe. Hein? Je répète la lecture. C'est dimanche, je me lève à 8h, 30 minutes. Je fais ma toilette, je prends mon petit déjeuner, le matin, le petit déjeuner. À midi, je prends le déjeuner, mon déjeuner. Et après-midi, je fais mes devoirs. Donc voilà la fin de cette leçon aujourd'hui. Ce sont des exercices d'application pour contrôler les acquisitions acquises au cours des leçons précédentes. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.